Moi j'ai entendu sur ma dernière blague, il y a un mec qui est arrivé. Il est passé devant moi, il s'est assis là, je lui dis t'appelles comment? Je m'appelle Louis. Ok Louis, il s'est assis, j'avais rien à lui dire en fait. Ouais, ouais. Et il s'est assis et j'ai entendu. Il a fait ça, il a fait. Et bienvenue à tous dans l'Afterbid. On résume en 3 points, c'est la reprise de la Maison Café avec JF et Basile. On n'avait pas de réservation, donc du coup je suis allé chercher des gens en terrasse qui étaient bourrés. J'ai dû les calmer. Et heureusement, il y avait mes cousins qui, eux, étaient aussi bourrés, mais ils nous écoutaient. Allez, magnéto. Quand Max a dit on va accueillir JF et qu'ils sont 7 à être sortis. Grave. Oh, ça c'était horrible. Oh, ouais, on peut dire que t'es rentré à contre-courant. Bah, en même temps, je les ai trop chauffés au début, j'aurais jamais dû leur donner tant d'attention. Mais en vrai, c'est. Ouais. Je sais pas, moi, tu parles aussi fort que moi, je te réponds, tu vois. Enfin, tu le sais, toi, j'ai, enfin, je suis... enfin, j'ai de la répartie, je suis intéressant quand je parle, tu vois. Non. Non, je trouve ça hallucinant comment on se fait vraiment du mal. Genre, je suis sorti, Max, quand t'es arrivé, t'as commencé à dire ouais, si vous avez pas. Enfin, si vous voulez parler, franchement, allez-vous-en. Franchement, tu sais qu'à un moment, j'ai cru que t'étais parti. J'ai vu JF, Max, et en fait, t'étais plus là, mais c'est juste que t'étais genre comme ça. Ah oui, à un moment donné, je me suis caché. Parce que... Caché sous ta chaise, j'étais en mode ok, bon, même lui ne se souvient plus. Quand j'ai dit on va accueillir Basile, je vous ai tous entendu faire. Oh. Allez Basile. La première mouche, t'en mets. J'ai eu le temps de descendre les marches et remonter. En vrai, t'as fait deux blagues pour un quart d'heure. T'as juste parlé avec eux. T'es en fait tes 5 minutes d'hier au lundi de merde, elles ont duré 15 minutes ce soir. Les 3 minutes 55 d'hier. Ouais, putain. En vrai, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une semaine sur deux ici, puis au moins vous êtes sûr de remplir, et vous êtes sûr de remplir des gens peut-être un peu plus âgés, et des gens qui viennent vraiment vous voir, tu vois. Genre, non. Bon, voilà, tu vois, un truc comme ça, quoi. Oh, ça fait non, du bien, ça fait du bien. T'as bidé plus que moi. Ça rassure. C'est dans mon truc, quoi. Lui, c'était une information, toi, c'était vraiment une boutade, quoi. Fallait que je me satisfaille. Ouais. C'est con parce que je sais que l'an dernier on a passé des putains de soirées ici en vrai. Et là on se fait enculer. Ils nous ont enfoncé la lampe juste ici mais dans le cul quoi. C'est vrai qu'on s'est bien fait enculer. Ils nous ont vraiment jeté de la merde au visage. Là. Puis d'un coup, tu sais, genre la meuf quand j'ai arrêté de parler à ses potes elle était. Ah. Mais je crois qu'elle te filmait pour son Insta, Basile. C'était. Non, mais je filme. Elle t'a fait de la promo, Basile. Elle m'a filmé. Cet après-midi, Basile, qui me disait ce qui serait ouf, c'est de devenir un mème sur Internet. Et ben voilà, Basile, t'es exaucé. Après, moi, j'espère vraiment que tous ces gens qui sont là vont mourir. À part ma cousine et son papa. Je me suis agrippé à leur regard. J'étais vraiment mode. Non, moi, j'ai jamais autant regardé l'ennui. L'ennui, je l'ai maté là. Alors là, c'est une crise comme ça pour la télé. Il a lancé une applause à un moment, l'ennui, non? L'ennui, ouais. J'ai entendu crépiter. Ouais. J'ai mis quelqu'un. Et tu me dis que ceux qui ont envie de parler entre eux, ils peuvent quitter la pièce. Ok. Mais t'es vraiment un bâtard, pourquoi tu me fais ça? Tu sais quelle était l'intention de faire ça, JF? Bah, de nous mettre bien et de mettre bien. Exactement, JF. Tu sais quoi? Et ça l'a fait en plus, et je te remercie. Bon, ça l'a fait, t'as vidé pendant 45 minutes, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien fait du tout. 35 minutes. Ce micro-là, c'est le micro que je vais emmener à l'Olympia. Et le premier soir où je le teste... On prend un bide d'enculé. Tu veux dire que maintenant il est immunisé au bide? J'espère. Ou alors il est créateur de bide. Imagine, j'ai acheté un micro maudit. Je fais à Santenac. Tiens, prends ce micro pour ton spectacle. Pourquoi tu l'as fait signer à Goubri tes deux pailles? Bah parce que je leur ai dit signez-le comme ça vous serez sur ma capta Netflix. Mais bah ouais. Et là pour l'instant ils sont juste sur un épisode des Tocas qui a mal tourné quoi. Qui a mal tourné mais qui n'est pas mal tourné.
Tu veux que je montre la position dans laquelle t'es pour savoir si c'est mal tourné ou pas? Il ose pas dire à sa meuf qu'il a bidé. On peut pas partir par les pieds. Tes pieds, ils sont vraiment mais gigantesques, hein. Gros pied, gros bide. Tu connais le dicton. Le début, j'ai regardé et franchement, j'ai cru que tu pleurais. C'est pas bien. Vas-y, les films, ils croient vraiment que c'est un tocard. Pourquoi je suis pas un tocard, moi? Bah je sais pas, t'as quoi comme téléphone, Basile? C'est un Oppo, c'est une marque chinoise. Oh quoi? Oppo. Ouais, bah nous c'est Samsung. Maxime, dis-lui. Bah c'est Samsung. Ah oui, oui. Bah quoi, c'est Maxime m'a demandé de filmer ça. Ah non, par contre là, je pense qu'on est à l'épisode 3. Comment ça, l'épisode 3? Bah en fait, parce que tu sais, le premier épisode, il est encore un peu à chier et Du coup, ça c'est l'avant-avant-dernier? Ouais, c'est l'épisode 2, quoi. Ouais, c'est juste avant le 36. Ouais. Ok. Mais du coup, il sortira en mars. Tu fais du combien, Basile, toi? C'est l'épisode 4. Oh, un pingouin. Mais juste un plan séquence, en fait. Avec des accélérations. Bah, tu l'appelles ça le beat du siècle? Ouais. Le débrief du beat. Ouais. Ou JF dit à sa meuf qu'il a cartonné. Bon, allez, on coupe. 3. Morale de l'histoire, JF? Un débrief général. On est prêt à tout pour le stand-up. Putain, c'est beau, bordel. C'est n'importe quoi. Putain, c'est une putain de stand-up.